Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici les titres. On parle dans cette édition de la langue maternelle, considérée comme la première langue apprise par un enfant. Elle faciliterait la compréhension par ce dernier de l'essence de son environnement. Lors des visites dans les musées et autres sites touristiques, la présence des guides de tourisme est souhaitable. Leur rôle est à la fois de donner des informations et d'être des agents économiques majeurs. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Les contacts physiques, poignées de main et bises constituent-ils des risques de contamination? On en parle dans un instant. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. On serait tenté de croire que la langue maternelle, c'est la langue de la mère et que la langue du père serait la langue paternelle. Mais il n'en est rien. La langue maternelle, c'est la première langue apprise par un enfant, la langue de la famille ou de l'entourage, tout simplement. Au Bénin, on dénombre environ 73 langues maternelles et depuis des années, ces langues font l'objet de nombreuses réflexions quant à leur valorisation. Elle est le moyen de communication la plus fréquente entre les humains. La langue, premier moyen d'expression, permet la diffusion des connaissances dans le cadre de l'éducation formelle. La langue, dont le soubassement est la culture. À partir du moment où on a dit que nous sommes indépendants, l'indépendance d'un peuple commence d'abord par sa culture. Et puis c'est ça, la culture qui est la base du développement. Et quand on prend la culture comme base du développement, cette culture-là a une racine pivotante, c'est la langue. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. En plus du français reconnu comme langue officielle, on distingue autant de langues nationales que de communautés existantes. Une diversité linguistique devenue un obstacle au développement. Mais pour y remédier, l'enseignant-chercheur propose 5 pistes à explorer. C'est de pouvoir établir le répertoire exhaustif de toutes les communautés sur le plan national. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir établir la carte linguistique du Bénin. Et le troisième objectif, c'est l'historique de chaque communauté. Et faire la promotion des langues, il faudrait connaître d'où ces peuples viennent, où ils en sont arrivés et qu'est-ce qui fait leurs forces et leurs faiblesses. Et quatrièmement, c'est de pouvoir établir les rapports qui existent entre les communautés à l'intérieur d'abord du pays et entre les communautés à l'extérieur. Et le cinquième élément par rapport à ce que j'ai dit, c'est de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires qui permettent justement de choisir les langues qui doivent faire partie de notre système éducatif formel. Avec l'avènement technologique, le processus d'apprentissage et de valorisation des langues devient aujourd'hui plus facile. Ça doit être des facteurs favorables pour faciliter cet apprentissage-là. C'est une très très bonne chose. Et c'est en cela que nous disons que si réellement nous voulons être nous-mêmes, c'est de pouvoir retenir aussi la langue comme base de notre développement. Un enjeu déjà bien appréhendé par les gouvernants qui font de la technologie un atout pour relever les défis dans le domaine de l'éducation à travers la mise en place de la synergie alphabétisation, enseignement de la formation technique et professionnelle et numérique. On met à présent la lumière sur ces personnes qui se révèlent être des ambassadeurs culturels. Ce sont les guides de tourisme. Depuis quelques années maintenant, ce métier souffre de l'énorme diminution des activités touristiques dans le monde à cause de la pandémie du Covid-19. Et pourtant, les guides de tourisme occupent une place indispensable dans le développement. Précision à travers cet élément. Ils sont sollicités en général par les touristes ou les vacanciers lors de leur premier voyage dans une région. Eux, ce sont les guides de tourisme, réputés pour aider le visiteur à comprendre, apprécier et jouir de ce qu'il voit. Le guide de tourisme, c'est une personne physique qui élabore des circuits touristiques et qui amène ces touristes-là sur les différentes potentialités touristiques afin de leur dit les histoires que regorgent ces sites. C'est l'interlocuteur principal du touriste
Et puis, disons, c'est celui qui maîtrise pratiquement tout ce qui est culture, héritage, religion, histoire d'un pays. Le guide de tourisme est donc suffisamment cultivé pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Il a une parfaite maîtrise de l'histoire, des anecdotes, de la tradition et de la culture du lieu visité. Il y a plusieurs types de guides, les guides de tourisme, les guides accompagnateurs, les guides locaux, les guides sur site, les guides conférenciers. En ce qui concerne les sites, il y a des guides sur site. Ce sont ceux-là qui connaissent l'histoire de cette localité, de ce site spécialement. Quand je prends l'exemple du temple de Python à Ouida, vous verrez que ce sont des autochtones, des adeptes de ce Python qui expose ou qui raconte l'histoire du temple de Python. Si le secteur du tourisme apporte de la richesse à la communauté de par ses diverses activités touristiques, le guide de tourisme est celui-là qui favorise l'économie locale en tant qu'agent économique de premier rang. Le guide est une personne très importante parce que c'est lui qui favorise l'économie locale, c'est lui qui est un agent direct entre le touriste et la localité ou la région ou la ville. Quand vous allez dans une région, vous impactez la région parce qu'il y a des restaurants, il y a des artisans. Tout ce monde, quand les touristes les voient, ils veulent dépenser. Et donc, il impacte économiquement les régions. En plus, vous savez, il y a des touristes qui ont envie peut-être de contribuer à la construction d'une école ou de fournir quelques matériels à un centre de santé. Donc, tout cela permet, à travers la facilitation du guide touriste et communauté locale, à faire avancer ces gens de projet. Avec la pandémie du coronavirus, le guide de tourisme est un métier qui souffre de l'énorme diminution du tourisme dans le monde. Mais tant qu'on pourra voyager et qu'on voudra découvrir, il y aura toujours de la place pour un guide de tourisme. Et on parle à présent des hépatites qui sont des pathologies à virus. Selon l'opinion publique, eh bien, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constitueraient des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Explication ici avec Martin Soubon, il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, bon, la salive, fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contacte ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel. Mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme n'a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ce facteur-là qui augmente le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. On fait à présent un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Arnaud Adadia. Le gouvernement envisage construire une nouvelle cimenterie de capacité de 5 000 tonnes jour de clinker.
C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022. Elle fait suite au constat de la hausse de près de 30% du prix de vente du ciment. Une hausse induite par l'ouverture des chantiers de construction sur la période de 2016 à 2021. C'est pourquoi le gouvernement entend réorganiser l'offre de ciment sur le marché en mettant en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait à terme l'ensemble des autres acteurs du marché. Le Conseil national des exportateurs de cajou du Bénin et l'interprofession de la filière anacarde se donnent la main pour le rayonnement de la filière anacarde au Bénin et en Afrique. C'est à l'occasion de la troisième édition du Bénin Cashew Day, une rencontre pour jeter les bases de partenariats internationaux et échanger sur les meilleures méthodes de développement et de valorisation du cajou africain. Pour rappel, le gouvernement ambitionne d'accompagner les acteurs de la dite filière et a opté pour la transformation de plus de 50% de la quantité de cajou produit. Parlons d'art à présent. L'exposition des trésors royaux au palais de la Marina a enregistré 1247 visiteurs au tout premier jour. L'information a été donnée par le directeur du programme des musées à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. À l'en croire, cette grande affluence au cours de la première journée de l'exposition résulte du travail des médias. L'exposition diptyque et publique dure 3 mois et se poursuit jusqu'au 22 mai. Ce sera donc tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt pour le journal du soir.